Alléluia. J'ai pas voulu écrire sur papier parce que ce n'est que des remerciements. Et je ne parle pas mon nom personnel, je parle le nom du conseil régional. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voudrions dire merci au Seigneur. C'est lui qui a permis que nous soyons en cette étape. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour cette étape. À notre Dieu. Nous avons travaillé depuis longtemps à régler certains problèmes. Il y a certains mêmes qu'on appelait baptême de feu. Aussitôt nommé, il y avait des situations difficiles, mais le Seigneur nous a donné la victoire. Amen. L'une de ces situations, c'était la santé de Papa Noté, qui était gravement malade. Le Seigneur nous a donné la victoire. Amen. Et récemment encore, c'était la santé du prophète Canon qui était mise en mal. Mais le Seigneur nous a encore donné la victoire. Amen. Il était donc important, parce que jusqu'à ce que nos responsables puissent prier pour nous, ce sont que des propositions. Aujourd'hui, ce n'est plus des propositions, c'est une confirmation. Amen. Alléluia. Amen. À la suite du Seigneur, nous voulons dire grand merci à notre premier responsable, le coordinateur, Dr. Plintru Félix. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui. J'étais dans cette salle à côté en train de fouiller dans mes bouquins, parce que je suis élève, j'apprends toujours. J'étais avec Diak Asemion ce jour-là. Diak Asemion, tout toi debout. Voilà, ce jour-là, il est avec moi. Quand le coordinateur m'a appelé pour me dire, tiens, toi, on va te nommer pasteur des régions d'Abidjan. Ma première impression, j'ai crié fortement, j'ai dit, passe ça, s'il te plaît, papa. Parce que je suis en train d'étudier. Et on dirait, quand je disais non, ça a confirmé à leur niveau. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je suis en train de comprendre que c'est le vieux leader qui a vu loin. Jacob et le fils, comme il a prêché. Parce que le vieux leader lui voit plus loin. Et nous sommes en train de comprendre que, effectivement, le Seigneur a besoin de nous travailler pour servir non seulement les pasteurs, mais pour servir la région d'Abidjan Nord. Amen. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour les tels leaders qui voient, qui encouragent et qui donnent l'espace aux jeunes pour qu'ils puissent travailler aussi. Alléluia. Amen. À sa suite, je vais dire aussi merci à Papa Noté. Aujourd'hui, j'étais avec lui à Couette. Quand je l'ai introduit, il a dit, j'ai trop parlé. Mais le coordinateur l'a dit, c'est une référence à Abidjan Nord. Alléluia. C'est lui qui m'a affecté ici. Et il ne s'est pas contenté de m'affecter. Il m'a protégé. Parce que quand un lionceau arrive, il a besoin d'être protégé. Jusqu'à ce qu'il soit lion, pour que les antilopes sachent que le lion arrive. Alléluia. 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 Il y en a qui font confondre le lionceau à maman chat, ça c'est un problème. Mais c'est une question de temps. Alléluia. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Je veux venir la pastorale d'Abidjan Nord, les dynamiques pasteurs, Papa Tra, toujours à nos côtés. Et tous les pasteurs, ils sont dynamiques à tous les niveaux. Aujourd'hui, même quand on arrive à cette cérémonie, j'ai dit à Pasteur Josué, pardon, va recevoir le coordinateur. Il faut faire ça. Tout à l'heure, je lui ai dit, il faut faire moi faire photo. Ça vous dit que ce n'est pas les meilleurs qui sont au conseil régional, pas forcément les meilleurs. Donc, on nous a demandé de choisir trois pasteurs. Les tests nous demandent de choisir trois pasteurs et puis trois laïcs. Ce n'est pas aussi les meilleurs laïcs qui sont là.
Mais c'est ce que le Seigneur a choisi pour servir les autres. C'est ce que nous devons comprendre. Pour le temps qui nous a été donné, c'est ce que le Seigneur a choisi pour que nous puissions servir les autres. Servir les autres et servir la région. Et nous sommes dans une position de serviteurs. Alléluia. Et les membres du conseil régional doivent bien le comprendre. Nous ne sommes pas dans une position pour être honorés, mais nous sommes dans une position pour aller servir. Et servir efficacement pour nos responsables, soit content de ce qui est fait à Abidjan Nord. Alléluia. Amen. Je voudrais dire grand merci aux anciens, aux anciennes et à des anciennes maintenant, les terres et les diaconesses que le Seigneur bénisse. C'est vous qui épousez la vision. C'est vous. Quand ça chauffe, je vous convoque ici. Et il y a le dernier chaland qui est là pour les églises qui n'ont pas encore commencé à réagir. Comme l'église de Sidécy. Il y a les responsables de Sidécy, là, Sidécy-Bethel. Il y en a. Est-ce qu'il y a les responsables de Sidécy-Bethel? On a demandé à ce que tous les arriérés des pasteurs au niveau de la CNPS soient payés avant la fin de l'année 2021. Pour qu'en 2022, on commence à fonctionner correctement. Et on vous a confié, à vous les anciens, les responsables, anciens, ziers, œuvrés, je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui. Il a pris son bâton de première, il est allé à l'église de Bethel-le-Gaudreau. Ce jour-là, il n'était pas là. Il allait interpeller le conseil. Et aujourd'hui, la dernière fois, j'étais avec les responsables de la CNPS régionale. Le pasteur hier, on allait déposer 2 millions. Il nous avait proposé qu'on ait un échéancier. Le monsieur nous a dit, mais à cette année-là, ce n'est plus la peine de parler d'échéancier. Mais en réalité, nous, on ne veut pas d'échéancier. Alléluia. Donc les retardataires, activez-vous pour que d'ici la fin de cette année au plus tard, le 10 janvier, c'est ça, pasteur Rien. Voilà. Nous puissions éponger toutes nos dettes au niveau de la CNPS. Alléluia. Pour qu'on puisse commencer à fonctionner correctement l'année prochaine. Et ça, c'est aux anciens, c'est aux diacres, aux diacolaises à qui nous avons confié cette mission. Elle a pratiquement réussi. Et le Seigneur nous a mis à cœur de les organiser. On appelait ça la communion des anciens, des diacres et des diacolaises d'Abidjan Nord. Ils sont en train de faire un travail formidable. On aura le temps d'aller présenter le bureau à nos responsables. Alléluia. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour ce département. Merci. Grand merci. Grand merci aux autres responsables des structures qui sont là. Grand merci au groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense que j'ai dit l'essentiel, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci, régional. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, les moments de combat qui ont juste quelque chose à dire. L'endroit de la présidente, est-ce qu'elles sont là? Quelle est votre parole? Les moments de combat. On acclame le Seigneur. C'est un moment, une très bonne nouvelle. Voilà, une très bonne nouvelle parce que la vie de la vie, c'est une très bonne. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. En fait, ce soir, nous sommes vraiment très, très heureuses en tant que membres du bureau régional des Déborah Abidjan Nord. Nous sommes heureuses parce que le Seigneur a bien voulu vraiment confirmer à travers la vie de notre premier responsable, sa gloire.
On est heureuse de savoir aujourd'hui que notre premier responsable a été élevé au rang du conseil régional. Amen. Et ce soir, nous voulons simplement, présidente, tu peux approcher, on acclame le Seigneur vraiment pour sa vie. Nous voulons te dire ce soir que nous sommes très heureuses et que nous t'aimons vraiment. Ah ouais. Et nous te donnons vraiment la félicitation encore pour cette grâce que le Seigneur nous accorde de t'avoir à notre tête. Merci, merci de cette expression d'amour et de fraternité de la part des mamans du Bora. C'est vraiment chaleureux. Que Dieu vous bénisse. Et c'est bien dit, c'est bien fait. C'était l'occasion à saisir pour exprimer sa joie et aussi encourager notre sœur qui a eu cette lourde charge. Après le passage de nos mamans, nous allons donner une seule information, après quoi nous laissons la parole au vice-coordinateur de faire la première finale.